avec avec des invités trop bien, c'est l'art d'une bonne blague, c'est quand ça s'arrête. Alors c'est gênant. J'ai les commentaires en direct et je peux vous dire que tout le monde est hypé. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette deuxième partie de live. Malheureusement en compagnie de ma personne. Et toujours donc de Wenceslas Lichfutz, qui a fait option nazi au lycée. De Lucas. Si, mais il ne faut pas le dire, tu m'as dit. Tout ça, la mafia... Ensuite, on a Cyrine, toujours à notre gauche. Mango, moi j'ai son vrai prénom, toujours à notre gauche. Et Mo, avec son célèbre... Salut, c'est Mo. Bravo. Déjà 2 points pour l'équipe. 50 points pour qui tombe. Alors, on va faire un petit jeu. Voilà, on s'est pas trop cassé le cul. On a repris quelques règles de quiz qu'on aimait bien, notamment du Burger Quiz. Tous ceux qui sont nés avant les années 90 s'en rappellent un petit peu. 92, voilà. Je m'en souviens, monsieur. Alors, tous ceux qui n'avaient pas de vie sociale après les années 90 s'en souviennent. Voilà. Et malheureusement, c'est moi qui vais poser les questions. Donc, on va commencer par le premier quiz, le quiz balèze comme le Perse. Jingle. Balèze comme le... Je suis... Le Perse. C'était même pas répété, je trouve que c'est pas mal du tout, en fait. C'est pas mal. Alors, mesdames, j'ai plusieurs choix. Ah, je suis désolé, la nouvelle réforme orthographique. Oui. Mesdames, point... Messieurs, R.S. Donc ça fait messières. Mesdames et messieurs, voilà. Ouais. Vous allez avoir le choix dans le premier quiz, sachant qu'il y en a un qui vaut double point. D'accord? Je dis ça à l'assistant point derrière la caméra. Ouais. T'es content de tes études, hein? On peut te soudoyer ou... Allez, on y va. Le premier quiz que je vous propose, c'est « J'ai eu mon bac avec mention, chaque point vaut double ». Le deuxième, « Histoire-géographie », c'est le quiz le plus chiant. Le troisième, « Culture geek ». Le quatrième, « Quiz série ». Le cinquième, « Le quiz jeux vidéo ». Quiz série. Série. Série, télé. Série, ah d'accord. Je croyais que c'était l'application en fait, je me suis dit. Le mois prochain, prévoir un quiz Ricard. Et ensuite, pour finir, le quiz du nerd de l'extrême. Voilà. Du nerd de l'extrême, voilà. Ça y est, vous m'avez fatigué. Choisissez. Est-ce que tu peux les redire, s'il te plaît? Alors on y va. Choisis ton destin. J'ai eu mon bac avec mention, ouais. Histoire-géographie, ouais. Culture geek, quiz sur les séries, le quiz sur les jeux vidéo et le quiz du nerd de l'extrême. Choisissez. Non, mais t'as dit que t'étais pas forte en série, ouais. Mais je pense. Mo, t'es fort quand même. En série? Ouais. Non, alors je pensais qu'il était calé. Ok, c'est bon, tu m'as déçu là. Choquée, déçu. On prend quoi les filles? Qu'est-ce qu'on prend? Pas histoire géo, j'ai eu 6 sur 20. Ouais, histoire géo, non. Truc avec mention là ou pas? Là, c'est... Ouais, bah non. J'ai eu mon bac avec mention. Allez, on se tente tout de suite. Vas-y. J'ai mention passable, mais c'est pas grave. Pas celui-là, on prend pas ça? Ah, c'est stratégique. Allez. C'est stratégique. Non, mais non, bac avec mention. Direct. On aura le droit à combien de thèmes pendant le jeu là? Alors vous avez le droit à chacun deux thèmes. Juste, on est d'accord que ça veut dire que les premiers points qui vont être marqués compteront double. Personne n'aura marqué de points qui vaudront déjà 2 points. On prend quoi? Je vous jure, c'est jeu vidéo. Non, culture geek. Très bien, on y va. Je vous demande à l'instant. Quiz, s'il vous plaît, quiz. Générique pendant que je meuble. On n'a pas de micro. C'est le quiz. Le quiz de la culture quoi? De la culture geek. Oh. Mario, c'est soit Mario, soit Sonic. Moustachu, c'est Mario, de bleu, c'est Sonic. Bonsoir. Quel est le premier jeu reconnu comme sport officiel? Comme sport officiel? Counter-Strike? On a le droit. Vous avez le droit à une réponse, attention. Ah, attends. Allez, je vous en prie. Quand même les règles, monsieur. Attends, la question. On est sérieux. On est ici dans une chaîne sérieuse. Le premier jeu reconnu comme sport officiel est... Allez, réponse, vite. C'est possible, Counter-Strike, non? C'est pas League of Legends? Non, je suis sûr que Counter-Strike, c'était avant. J'aurais dit... peut-être League of Legends, peut-être. Non, je suis sûr que c'était après. LOL. À mon avis, c'est CS. Entre les deux, CS, c'est plus vieux. Counter-Strike, pour moi, c'était plus... Le sourire de Cyril, mais regardez-le. Alors ouais, la réponse est faite et validée. Et malheureusement, non, c'est Dance Dance Revolution en 2003 par la Norvège.
Et ça a été donc déclaré sport par la Norvège. Voilà. Oh bah tu me perds. Voilà, très bien. Attention, je regrette déjà. Hein. La nationalité du créateur de Tetris. Ah. Il est. Ah. Ils savent en plus, non? Je sais pas. Moi, je dirais russe, un truc comme ça. Je dirais russe. Est-ce que vous validez cette réponse? Je veux l'accord de tout le monde. On est une équipe. De toute façon, on n'a pas la vie là. On ne souffle pas dans le public de une personne. Oui, dans le public, il y en a qui disent ah, le gars. Lapin à un ami. et surtout que tu vois, elle regarde même pas. De toute façon, on va pas. Sans déconner, Tetris. Alors, je sais pas, j'ai envie de. Je me dis pays. Allez, vous avez 3 secondes. C'est quoi, on va dire 3. Et c'était la bonne réponse. Allez, question 3. Selon Nintendo, quel est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps? Oh, je le savais. Attends, shit. Pardon. Mais c'est pas Super Mario ou Pokémon ou... Pokémon, je le plus vendu. Ça doit être Super Mario. Non, non, avec tous les Pokémon qu'il y a et tout. Ça va être un Mario. Allez, 10 secondes. Mario, ça va être le... Super Mario Bros. Bah, le premier, je sais pas. Quelle est votre réponse? Ah. Non, mais nous mettez pas la pression. Super Mario 64. Et non, c'est Wii Sport avec plus de 75 millions d'exemplaires vendus. Wii Sport avec le bowling et tout là. Oui, c'était vendu avec la console. Allez, question numéro 4. Quelle est la compagnie créatrice de Megaman? La compagnie créatrice de Megaman. Les questions, les dés sont pipés. Christine Angot, revenez. Oula, t'as un peu tôt pour cette jeune-là. On va tout de suite s'y lancer. On attendra un mois et puis on verra. Redis-moi la question, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut répondre sinon nous, parce que... Quelle est la compagnie créatrice de Megaman? Capcom. Eh oui, c'est bon, c'est Capcom. Allez, très bien, bravo, merci. Quand vous étiez hors champ, monsieur. Allez, question 5. De quelle nationalité est l'entreprise Ubisoft? Bah, c'est français. Ubisoft. Oui, c'est bon. Bah, voilà. Allez, c'est bon. Je comprends pas avec Microsoft. Je rappelle, c'est un point. Non, mais je l'ai dit sur un ton 98%. Je fais confiance. Quelle est la monnaie dans les Sims? Motherload. Les Sims Flood. Sims Flood. La réponse, c'est Sims. Motherload. Oui, c'est les Sims Flood. Un point. On est forte. Dans Minecraft, de combien de points le joueur de. Dans Minecraft, combien de points de vie. Ah, le joueur, pardon. Il n'y a pas trois cœurs. C'est pas des cœurs, là, quand, les points de vie. Combien il y a de points de vie, en gros? Oh là là. Putain. Dites un chiffre. Je dirais. Combien de vie, je dirais. 5, c'est vrai, ouais, 5, ça sonne bien. On va dire 5 vies. 5 cœurs, c'est des cœurs, hein, 5 cœurs. Moi, j'ai eu ça sur un petit. Je ne veux pas me. Il y a le mari de Cyril qui est dégoûté. On a une mort en direct. On a une mort derrière dans le public. La réponse est dite. C'était 30. Oh, rien, de soucis. Tout va bien. Quel est le nom du boss final de Street Fighter 2? De Street Fighter 2? De Street Fighter. Monsieur Bison. Attends, c'est Monsieur Bison? Oui, c'est Bison. Ouais, d'accord. Ouais. Monsieur Bison ou Bison? Parce que dans Street Fighter 2, est-ce qu'il avait déjà son nom complet? Et Bison, ouais, c'est Bison. Ouais. Non, mais comment ça, nous mettre la pression? C'est bien Monsieur Bison. Combien de fantômes y a-t-il dans Pac-Man? 4. 4, non? Attendez, c'est pas la réponse. Non, attendez. Je crois qu'il y en a 4. Dans 4 Pac-Man, dans Pac-Man, oui. Il n'y en a pas 2. Qui le poursuit? Non, comme non, ça, il y en a plus. Déjà, t'en as un déjà qui le suit. Après, t'as un. Je crois que t'en as pas 3. J'aurais dit 3. Mais tu sais, moi, j'avais 3. Ah, trois, moi, je suis pas. On va les laisser débattre entre eux, hein. Non, mais c'est bien. J'ai beaucoup aimé cette phrase de mots en disant alors, déjà, combien de fantômes? Déjà, il y en a un qui le suit. Et les autres. Qu'est-ce que je crois qu'il vient de la vraie question? Non. Parce qu'ils viennent au fur et à mesure, je crois, dans le jeu. Alors, votre réponse. C'est quoi la réponse du coup? Dis quoi? 3 ou 4. Non, mais t'as. 3, on va dire 3. Je sais pas, moi j'en vois plus. Allez, 10, 9, 8, c'était 4. Allez! Le débat!
débat. Le chiffre 4, bien sûr. On est fair play. Allez, dernière question. Quel est le sport pratiqué dans le jeu NHL? NHL, bah c'est le hockey sur glace. Oui, c'est bon. Mais franchement, on a les mots, mais t'es génial. Combien de points, monsieur le point? 7. 7 points. Allez, voilà, c'est autant, mais je voudrais pas dire le joueur. Je veux pas dire, mais c'est chiffre petit de Michael Jackson. 7 points. Ok, nous voilà. Si vous portez chance, nous le saurons. Nous voilà. Alors, voilà. Quel thème vous choisissez? Alors, dis-nous ce qui reste. Il va vous rester quiz série, culture geek, histoire géo. J'ai eu mon bac avec mention et le quiz du nerd extrême. Culture geek. Culture geek. Allez, culture on commence geek. Doucement. C'est la première manche. Jeux vidéo, culture geek. Allez, après, on fera voilà. Histoire géo, bac avec mention. On sera paumé, on sera waouh. Ça va être magnifique. Okay. Culture geek. Culture geek. D'ailleurs, on va te le dire tout de suite. C'est la culture geek. Quoi On s'attendait à ce truc. C'était en mode. En fait, derrière, il y a le réalisateur qui a pas atteint la machine des lumières et il est dégoûté, quoi. Alors attention, première question, quel est le titre original des Dents de la Mer? Jaws. Oui, point. Excuse-moi, je pensais pas. Il a dit Jaws. Oui. Il a dit Jaws. Point, point. Aux alentours de quel jour se déroule le film Independence Day? L'indépendance américaine, c'est le... Allez, c'est en juillet, mais la date... Oui, ouais, je crois. Le 4 juillet. Très bien. Ouais. Comment se nomme la délirante série parodiant Alerte à Malibu? Et pourtant, je vous casse les couilles avec. Oui, et je t'écoute jamais, c'est ça qui est chiant. C'est le... Merde. Ah, merde. Ah, merde. Je l'ai pas. Tu l'as. Avec Timothy Stack. Oui, on voit pas trop qui c'est. Attends, Timothy Stack, tu vois quand même bien qui c'est. C'est Timothy. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une réponse qui n'a rien à voir. Ouais. Culture geek. Culture geek. C'est quoi votre réponse? Alerte à Washington. Alerte à Malibu rouge. C'était Son of the Beach. Ah non, je ne l'avais pas du tout. Voilà. Sons of Anarchy. Mais c'est quoi la réponse? Et là, vous allez voir sur cette réponse vaine d'une fulgurance comme sa libido. Alors, les héroïnes de quelle saga de jeux vidéo ont-elles leur propre jeu de beach volley? Dead or Alive. Il y a aussi Senran Kagura, parce que je suis un peu intéressé en ce moment, mais c'est pas le sujet. Mais vous inquiétez pas, même quand Dead or Alive, ils se battent. Dans quel volet de Souviens-toi de l'été dernier joue Sarah Michelle Gellar? Le premier. Point. Comment... Je te consulte pas. Comment se nomme le camp de vacances où sont envoyés Mercredi et Pugsley dans les valeurs de la famille Adams? Kumbaya... C'est dans le 3, ça, non? Deuxième. Le 2. Je sais pas, ils chantent Kumbaya, mais je me demande si ça s'appelle pas Kumbaya. Là, quand. Allez. Kumbaya, mais je crois pas. Non, c'était le camp Chippewa. Ah, Chippewa. Pourquoi ils chantent pas Chippewa? Pourquoi ils chantent pas Chippewa? Est-ce qu'on vous accorderait pas le point? Mais est-ce que alors parce que monsieur Easter Egg, est-ce que je peux avoir le point bonus en disant eh bien en fait, ils chantent Kumbaya parce que ça devait être le Kumbaya Club, mais le nom a été changé pour des raisons de droit, ce qui fait que le club a un autre nom dans le film. Est-ce que c'est vrai ou tu inventes? C'est complètement vrai. D'accord. Non, pas du tout. Non, ça serait incroyable. J'y crois. Dans Indiana Jones et le Temple maudit, combien existe-t-il de pierres de Sankara? Il me semble que c'est 3, mais je suis pas sûr. Et ça me frustre de ne pas savoir. C'est 3 ou 4, je ne sais plus. C'est votre réponse? On a le droit, 3 ou 4. C'est peut-être même que 2. C'est peut-être, non, je sais plus. On va dire 3, mais je ne suis pas sûr. 3, 5 points, okay, pas super. De points. Hein. Bah, on était bien. Plus. Le juste prix, on est bon. Toi. Quelle est la particularité du film La Nuit des Morts Vivants? Il y a des morts vivants. Non, mais alors, ouais. Est-ce que tu peux préciser est-ce que tu peux préciser ta question? T'attends une particularité de quoi? De tournage? De réalisateur? De... Administrative. Là, vous êtes bien emmerdé. Putain, là, je l'ai pas. Allez, de production, pour être plus large. Oui, donc voilà, un truc... non, je vois quel genre d'anecdote, ça, ce serait... ils n'ont pas eu droit à ça, donc ils ont appelé ça, finalement, comme ça. C'est comme ça, tu vois, mais... Oui, c'est bon. Ah, tu l'as? Et alors, c'est quoi? Ouais, on l'a pas, vas-y. C'est Romero. C'est Romero, ouais. Ils n'ont pas le droit de dire zombie, c'est ça? Non. Il est libre de droit, le film, donc n'importe qui peut en faire une suite. Ah. Eh oui, tu t'instruis en regardant ce live. Incroyable. En tout cas, on se fait défoncer. Attention, question compliquée. Dans quelle ville officie le très cartoonesque The Mask? Ah ben, c'est une petite bourgade qui est très sympa. C'est pas loin de Mulhouse, il me semble. C'est entre Mulhouse et Quimper. C'est franchement. C'est imaginaire ou c'est. Je sais pas du tout. Il me semble. Que ça soit dans le comics, le film ou le dessin animé. Thank you.
Ouais. Mais oui, mais je vois bien. Mais oui. En plus, j'y vais en voiture. Mais il y a une station de vélo au coin de la rue. Il a des enfants là-bas. Il a des enfants là-bas. Il va souvent. Mais on est une île au pif. Ouais, une ville qui existe au pif. San Francisco. San Francisco. Non. Eh ben non, c'était The Edge. Edge City. Edge City. Edge City. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi fait beaucoup d'espagnol. San veut dire the. Et Francisco est une traduction un peu littéraire du pont, oui, qui oui, bah, lui-même veut dire. Excusez-moi d'avoir la culture. C'est, et comme il y a une ambiance un peu latine. Ça veut dire Saint Francis. Malheureusement, des gens ont des téléphones. Saint Francis, c'est la planète Quimper, effectivement. Allez, dernière question. La technologie. Le technodrome sert de véhicule et de QG à quel méchant dans un dessin animé? Bon, est-ce que tu veux répondre? On n'a peut-être pas le nom, mais est-ce que c'est bien l'un des méchants de Tortue Ninja? On a une réponse, c'est celui des c'est le méchant des Tortue Ninja qui est une boule de gomme, etc. Enfin, ouais. Un petit peu, voilà. Est-ce que, à une lettre près, je ne suis pas sûr, mais Krang? Oui, c'est bon. Ah putain, bien joué mon gars. J'hésitais entre Krang ou un truc comme ça. Tu l'as mérité ta mention au bac, tu l'as mérité, tu vois. Krang. Alors, dernière, c'est Krang. Combien de points? Krang. 5! 5 à 7. Mathieu, attends, Mathieu. Mais Mathieu, tu veux participer à la saison 3 des plaidoiries? Comment ça se passe? On est à 8, d'accord? Alors, il va me rester. Enlever le clapet de ta caméra et découvrir des billets. Hop, on fait tourner. Non. Ah, on a un. Mais oh, c'est un problème de spaghetti. C'est de l'autre côté en fait. On est bon. Vas-y. Ah oui. Alors, il vous reste le quiz du nerd extrême. Il vous reste le quiz de série et j'ai eu mon bac avec mention ou histoire géographie. Mais j'ai regardé que Breaking Bad. Mais il y aura peut-être Breaking Bad. Non, mais ça va être une question sur machin. Allô. Moi, franchement, le bac. Non, mais la culture générale, on n'est pas c'est des. C'est pas culture G, c'est bac avec mention. Ouais, mais je pense que c'est pour nous perturber. Ouais, moi, franchement, c'est riche, je suis vraiment nul. Non, mais après, ça va être le poids. Allez, vous avez 10 secondes. Non. C'est beau, mais. Toi, tu veux série, toi? Bon, bah, série, hein. Le quiz. C'est, pardon, allez, le thème, c'est série. Les séries. C'est le quiz des quoi? La trilogie du samedi. Les séries. Oh, allez, on commence, on y va. Dans la série Dr House, pourquoi Greg House a-t-il une canne? C'est dans sa tête, là. Non, c'est sa jambe, là. Mais oui, mais c'est psychosomatique. Ouais, il a des douleurs. Il a des douleurs à sa jambe, là. Parce que à cause de il a testé ses réflexes avec le petit marteau comme un con. Et... C'est quoi? C'est sa douleur, oui. Oui, mais pourquoi il a une douleur à la jambe? Mais c'est dans sa tête, ça, je suis sûr que c'est dans sa tête. Une chute de moto, un délire comme ça. Il a une canne. C'est votre réponse? Non, c'est pas ma réponse. C'est quoi la réponse? C'est dans la tête, c'est sûr. Non, je suis pas sûr, mais je sais qu'à un moment, il est sur le médoc et tout, et en fait. Parce qu'il est aveugle, bravo. Ouais, psychosomatique. Non, en fait, il a eu un infarctus. Ouais, mais c'est un peu dans sa tête, je crois, dans un état. C'est pas tant psychosomatique. Oh. Allez, on continue. Dans la série Malcolm, combien d'enfants ont Loïs et Hal? Alors, on va compter. Mais non, mais il y en a cinq. Attends. On va compter. Oui. Non, il y a le vieux. Le vieux, c'est... Francis. Riz. Malcolm. Dewey. Et le gamin, le cinquième qu'on connaît pas, là. C'était cinq, la bonne réponse. Allez. Jamie. Voilà, Jamie, merci, monsieur, point. Voilà. Oui, alors voix off en plus, donc il reste voix off aussi sur le plateau, quoi. Derrière. Tu me remettras ton masque, par contre, parce que pour nous, c'est... Dans la série The Walking Dead, dans quel lieu se déroule la saison 2? C'est pas loin de Quimper. La première, c'est Atlanta. Enfin, je sais pas. Attendez. Mango, tu es toute seule, je sais pas. Rick, il se réveille, je crois, il est à Atlanta. Ou alors il va... Dans la saison 2.
Ah mais non, la saison 2, non, c'est la prison, c'est la saison 3. La première saison, c'est Cavaillon, hein. Je voudrais pas... Pardonnez-moi. Il y a un double épisode, épisode 3, épisode 4 dans la saison 1 où il fait Quimper Cavaillon, ouais. Qui est très beau. Mais ça, c'est que... justement la partie abusée. Non mais attendez, je me perturbe. Et puis on voit la fameuse omelette de la mer Poulard. Si, t'as regardé les deux. Attention, il y a du soufflage, là, il y a du soufflage. Je crois que c'est Atlanta parce que saison 3, c'est la prison. C'est ta réponse ? Je vais me faire lyncher. De toute façon, on peut pas t'aider, là. Donc... Et la bonne réponse c'était la ferme, il vous la souffle depuis tout à l'heure là. T'as pas compris. Mais c'est près d'Atlanta, non? Allez, mais quand même. Allez, dans la série Breaking Bad. Allez, c'est bon. Oh. Quel est le métier initial de Walter White? Prof de chimie. Non, ah, point. Dans la série, point. Dans la série Game of Thrones, comment s'appelle le cadet des Lannister? Le quoi? Le cadet. Mais j'ai pas regardé, je connais juste Odor. Il y a pas un Stan Lannister. On va prendre la fin. Je connais juste Jon Snow et Odor. Si ouais. Unijambiste. Voilà, le cadet, on est d'accord, on rappelle, c'est le deuxième en partant de la fin, sauf si c'est une fille, c'est le troisième. Il vous dit de la merde, hein. Écoutez-le pas, écoutez-le pas. J'aime pas Game of Thrones. Chloé, si tu me regardes, je suis désolée. Je connais... Il y en a pas, il s'appelle Stan Lannister ou Alan ou un truc. Vous le connaissez en plus, vous le connaissez tous, même sans regarder. Mais non, c'est un Lannister, son machin Lannister. Mais moi je connais Jon Snow, tout le monde parle de Jon Snow. Allez. La réponse, la bonne réponse. La bonne réponse était Tyrion Lannister. Ah ouais. Tyrion, bah, je connais pas. Bah, moi non plus. Voilà, oui, voilà. Ah, je sais pas. Je savais pas. Dans la série Desperate Housewives. Oh, mais donne-moi du spoiling, donne-moi du. Qui meurt électrocuté. C'est qui la blonde? Ah, la Pamela, là. Ouais. Eddie. C'est Claude François. Attends, Eddie, c'est celle qui vient voler Mike et tout là, un moment. La blonde qui meurt électrocutée, elle a aussi chanté Alexandrie Alexandra. T'as la blonde, non, t'as la. Il y a Eddie, je crois qu'elle s'appelle Eddie. La blonde pouf. Oui, oui, bah c'est Eddie. Eddie. Allez, j'accepte, c'est Eddie Britt. Moi, c'est pareil. Oh, pardon. Dans la série Mad Men, en quelle année se déroule la première saison? On doit dire dans la série Mad Men, en quelle année se déroule la première saison? Une décennie. On doit dire une année. Une année précise. Une année à précise. L'année près. Oui, surtout que chaque saison est calée sur une année. Donc ça doit être pendant les 30 glorieuses, donc on va dire 1945, un truc comme ça. C'est après 1965. Les 30 glorieuses, c'est après 45. C'est 45. Bref. C'est la première. Mais oui, mais 45, c'est là où ça démarre. C'est là où la conjoncture économique est favorable. C'est la fin de la série. Allez, la réponse, c'était 1960. Ah bon, d'accord. C'est après la guerre, donc tu le vois. C'est vrai que c'est dans les 30. Bon, là, on va voir. Hein. Dans la série Game of Thrones, dans quel pays ont été tournées les premières scènes? Alors, ça a été, c'est en Irlande. Ouais, deuxième. Oh, deux réponses. Oh, mais je rêve. Ah, Irlande et Écosse. Est-ce qu'il y a du désert au Maroc? C'était au Maroc la bonne réponse. C'était là où vous voulez en venir. Les premiers plans de Game of Thrones ont été tournés au Maroc. Et en Irlande et au Maroc, quoi. La première fois qu'on voit un truc, c'est pas les marcheurs blancs. Au Maroc. Allez, dans la série Scorpion. I'm still loving you. Scorpion. Non, c'est pas. C'est Scorpion. Dans la série Scorpion. Oui. Quel est à combien s'élève le QI de Walter? Je sais pas quelle série c'est, je pense qu'il est intelligent, donc c'est plus. N'oubliez pas que c'est une série dramatique, hein, il a 42 en fait, c'est un drame social Scorpion. Scorpion. Il a 42 QI qui essaie de s'en sortir dans la vie. Moi, c'est 140, 160. Tu connais Scorpion? Tu connais Scorpion? Le spécialiste série ne connaît pas Scorpion. Mais faut pas souffler. Moi, je dis 160. Je sais pas, ça m'intrigue, 160. Allez, à 10 près. À 10 près? Oh. Allez, on va dire 100... 180, 170, 180, 190, entre 100, entre 100 et, 100, et 200. Allez, une réponse. Laisse-moi... Allez. 170. Et non, c'était 197. Oh, pas si loin. Oh. Ah, 10 près, c'est pas les 10 près. Allez, point compte double. Ah, il y a une question qui compte double à la fin. Ouais. Comment s'appelle l'ennemi juré de Mike Gaver? Oh putain. Murdoch. Ouais. Allez. Point compte double. Balance. Murdoch. Ça, c'est beau. Ouais. Allez, il nous reste, vous avez fait vos deux séries. Et nos points, du coup? Suspense. 4. Ça
Pour le moment, il mène. 4, donc ça fait 11 en tout. Il mène. Non, je vais pas faire de blague sur l'hymen. Nous aussi, on aura une question qui compte double à la fin. Si tu veux. La dernière, si tu veux. Faut que la dernière, elle compte double. Alors, Culture G. C'est une merde qui nous reste. Culture, non, Culture Geek, on l'a fait. Ouais. Le quiz du nerd extrême. J'ai eu mon bac avec mention où tous les points veulent être double. Et histoire-géographie. Moi, ça se joue entre histoire-géo et le coup du bac. C'est toi qui choisis la chute des passés. C'est des grosses questions. Alors, on peut jouer la sécurité aussi, hein, avec le quiz. Écoute, du. Moi, je pense qu'on laisse les trucs qui comptent double à la fin. Tu vois, c'est-à-dire qu'on fera un dernier tour avec les deux sujets en mode. Non, il n'y aura pas de deuxième tour. Non, attends, il n'y aura pas de deuxième. Quitte à perdre, il faut prendre le truc qui compte double. Ah, bah, on perd. Il n'y aura pas de troisième tour. Il n'y aura pas de troisième tour, on est là pour quoi? On est là pour le spectacle, on est là pour le show, on est là pour se mettre à poil. Bon alors, Enigo, j'ai eu mon bac avec mention. J'ai eu mon bac, avec quoi? Avec quoi? Bah moi au rattrapage, mais toi c'est mention. Ouais, avec mention, mention. C'est un ami qui est venu avec moi en fait le jour de l'examen. Alors, Gabriel Fahrenheit a-t-il créé le thermomètre à mercure? Alors, ce qui est bien, c'est que là, c'est oui ou non. Une phrase sur deux, ça peut passer. Bah Fahrenheit... Moi, Fahrenheit, c'est un jeu vidéo pour moi. Moi donc, après, je suis un peu. Tu sais, Fahrenheit, c'est les degrés aux États-Unis, etc. Bah, non. 10. Non. Et bah, la réponse était oui. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave, puisque comme tout vaut double, c'est incroyable. À qui attribue-t-on le plus généralement l'invention de l'aviation? Allez, ils sont les deux. Frères. Wright Brothers, les frères Wright. Bonne réponse. Vous allez dire Roland Garros. C'est moi, c'est pas moi. Moi, merci à Epic Rap Battle of History. Moi j'aurais dit Roland Garros. Parmi les inventions suivantes, laquelle doit-on à l'écossais Graham Bell? Mais t'as dit parmi les inventions suivantes. Pardon. Je suis fatigué, pardon. Quelle invention la plus connue doit-on effectivement à Graham Bell? C'est un téléphone. 1, 2, 3. Téléphone. C'était le téléphone qu'il a lâchement volé à un Italien. Tous les points sont doubles, hein. On est d'accord. Ça compte double, hein, ça compte double. Qui est à l'origine de la découverte des ondes électromagnétiques? C'est un type qui vient de Quimper. je le connais, d'ailleurs, son plat préféré, c'est les rillettes. Je le connais bien. Allez, réponse. Einstein. Heinrich Hertz. C'est pour ça. Oui, c'est celui qui fait les camions pour déménager. Voilà, tout à fait. Et je vous conseille de magnifiques vidéos d'y penser, comme la catastrophe ultraviolette. Qui a percé les secrets des hiéroglyphes égyptiens? C'est la pierre de... Allez, ah ben ça c'est connu les gars là, la pierre de Rosette. Champollion. Voilà. Putain, bien joué Lucas. Champollion. Mais même moi j'imagine même pas dire Champollion. Ah mais il y en a pour ton prochain produit marketing pour les cheveux. Champollion, c'est bien. Est-ce que t'as le nom de la pierre ou pas? La pierre où il a de Rosette. La pierre de Rosette. Mais ça je mets dans mon sandwich. Bah, je l'avais pas là-dessus, hein, ça vient de mon esprit. Là où il y a tous les. Alors, quelle découverte doit-on à Newton? Le premier qui me dit la tarte aux pommes sans manger. Non, il n'a pas découvert la gravité. Il a découvert les lois universelles sur la gravitation. Attends. Allez, le principe universel de la gravité. La loi universelle sur la gravité. Si, non, mais c'est ça. Parce que, non, mais c'est vrai, il n'a pas découvert la gravité, mais il a découvert le. C'est pas ça le titre. Non, mais fais-nous pas chier avec le titre, sans déconner. Eux ici des personnages masculins qui deviennent des personnages féminins et nous on a tous au fond. Allez, je l'accorde mais un point pas deux là. Deux si tu veux. Mais c'était quoi? C'est les lois de l'attraction universelle. Ah oui mais bien oui non par contre. Ouais. Voilà, il a pas découvert la gravité, la gravité existait avant lui. C'est grave. Non, je crois pas. C'est pas tout à coup. Oh putain, ça s'est mis à tourner. Quel est le pays qui a inventé le parcmètre? Ça c'est un coup des Belges, ça. C'est vrai que c'est ramasser du fric là-dessus, c'est. Ouais. Parcmètre. Moi je dirais un truc du Nord, c'est genre la Suède. En tout cas. C'est vrai qu'ils nous emmerdent. En vrai, tu vois ce que je veux dire. Après, l'argent c'est la Suisse. On pourrait aussi se dire. Allez, le racisme, 10, allez on y va. Non, ce que tu veux. À partir du moment où tu commences une question par 9, quel pays a créé ça, 8, forcément qu'on va balancer. 7, disons. Norvège. Les USA.
Oui, mais alors, la Norvège avant, c'était rattaché au. C'était le. La, de en fait, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Parkmet? C'est parce que avant en Norvège, il y avait le Palestate, qui était en fait une sorte de. Mais en fait, le Palestate, c'était quelqu'un. C'est quelqu'un qui recevait l'argent. À chaque fois que vous allez me donner une vanne nulle, je vous enlève un point. Maintenant. Voilà. On est à moins combien? Quelle découverte doit-on à Lavoisier? À la voisine? À Lavoisier. Alors, je sais ce qu'il a dit, mais je ne sais pas ce qu'il a découvert. C'est celui qui a dit rien sur le sable, non, les yeux dans l'eau. Rien ne se perd, rien ne se fait. Alors, est-ce que tu m'accordes un point si je te dis ce que c'est, mais que j'ai plus le... Vas-y. Là, il me faut, effectivement, j'ai déjà eu... Je dirais quelque chose comme le principe d'équivalence dans les équations chimiques, c'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est pas... C'est un autre universaliste, c'est... Non, putain. Corrigez-moi si je me trompe. C'est Descartes. Je crois que c'est Descartes. Non, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est Lavoisier. Mais c'est peut-être pas ça qui est... Non, alors la bonne réponse... Non. La bonne réponse, c'est le rôle de l'oxygène dans la combustion. C'est à peu près ce qu'on a dit, mais ça... Tu nous as pas entendu, n'est-ce pas? Moi, je demande confirmation pour rien ne se perd, tout se transforme. Il me semble que c'est Descartes, hein, mais... Non, c'est Lavoisier. Alors là, le scud du Real. Ta gueule, c'est Lavoisier. C'est sans doute pas lui qui l'a découvert, mais c'est celui qui l'a énoncé clairement, en fait. Allez, deux dernières questions. Approximativement, combien d'années nous séparent de la naissance de l'univers, le fameux... Enfin, il y a combien d'années... Quand a eu lieu le Big Bang? À 40 milliards d'années près. Non, je déconne. Non, quand a eu lieu le Big Bang? Ça va un moment. Bon, ça a commencé à Quimper, certainement. Attends, on l'entend moins avec son Quimper. Non, justement. Allez, à un milliard d'années près. Vas-y. 60, Tony? 70? Non, il a dit à un milliard d'années près. Ah, merde. C'est ta réponse. 66 milliards d'années. Eh bien non. 16, entre 16 et 17 milliards d'années. Donc il y avait bien 6, tu vois. Tu vas te défendre avec une réponse aussi loin. Allez. Oui, il y avait bien 6. La dernière compte double du double. Hein. Si tu veux. Ouais, en dehors du fameux théorème, ouais. Quel a été l'apport de Thalès? Quel a été l'apport pour la culture? En dehors du théorème de Thalès, quel a été l'apport a apporté à la culture qu'aujourd'hui on s'en souvient, quoi. Bah, déjà, il y avait tout ce qui était pour les chevaux. D'accord. Vous m'avez fatigué. Il me fatigue, les deux. Quelque chose, mais oui. Ben, le plus de truc, c'est qu'à l'époque, comme ils ont tous fait 20 000 trucs en même temps, qu'ils avaient que ça. Aucun sur YouTube. Hein. Tu cherches un podcast de Thalès, t'en as pas. Hein. Le mec, il partage pas. Quoi. On s'en sert. Allez, je vous ai donné un indice tout à l'heure. Ouais. On s'en sert tous les jours. Les toilettes. Non, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein, quelque part. C'est quoi le premier truc que tu fais tous les jours? Les toilettes. Rien que pour qu'ils se foutent de votre gueule. Bah, c'est vraiment un truc dont on doit se servir tous les jours. Hein. Et c'est un rapport avec son théorème, bordel. Ah. C'est les cercles. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finish him! D'avant, je ne sais pas, je suis désolé. Il a estimé la durée d'une année à 364 jours et un quart. Ce qui est faux, ce qui est faux, donc on ne l'utilise plus. Voilà, au revoir, monsieur Cyril, bonne soirée. Bon. Alors, total des points, monsieur Point. Oh, points. On a marqué 9 points. Oh mon dieu. Oh la catégorie. Et attention, quelle est l'équipe qui a gagné cette manche? Oh. Et là, ils viennent de perdre 3 points pour présentation d'anus. Reste dans les. J'ai pas présenté mon anus, j'étais habillé. J'ai dit exactement la même chose au juge la semaine dernière. Allez. C'est marrant, mais... Vous voulez refaire une petite série de questions? Il est quelle heure? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a 15 à 11? 9h moins quart? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a 15 à 11? Il va falloir speeder. C'est bien. Bon, alors, salade, tomate, oignon. Le principe, c'est comme le sel ou poivre du Burger Quiz. La réponse peut être la réponse A, la réponse B ou les deux. D'accord. On va commencer avec vous. Les invités. L'honneur au perdant.
Merci, je suis ému. Alors, attention. Princesse, c'est le méchant. Moi, je suis là pour vous dire, allez-y. Ah, on y va, on y va. Emmanuel Macron, Forrest Gump ou les deux? C'est drôle, déjà c'est drôle, faut poser les questions. Alors attention, je vais poser la question. Donc une réponse peut-être Emmanuel Macron ou Forrest Gump ou les deux. D'accord. Il est toujours en marche. Bah, les deux. Un point. Il a l'air très simple. Non, non, je me méfie moi. Forrest Gump. Oui. Je suis pas tout à fait d'accord sur cette réponse, je pense qu'on peut dire les deux. Il a un peu mal au cul. Macron. C'était Forrest Gump. Pourquoi? S'il se prend une balle au cul, arrive un moment dans le film. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. La suite. Parce que c'est son projet. Bah, Macron. Voilà. Il a rencontré un président américain. Les deux. Tout à fait. Il en a rencontré deux, Forrest Gump. Je sais pas si on peut dire. Sa mère est toujours à côté de lui. Oh, inacceptable, non. Féminisme power. Bah oui. Quand même. Brigitte, on t'aime. Team Brigitte. En vrai, Brigitte, on t'aime. Ouais, voilà, c'est Forrest Gump. Il a une pensée trop complexe pour nous tous. Forrest Gump. Bah, Emmanuel Macron, il l'a dit, il parle pas aux journalistes parce qu'il a une pensée trop complexe. Ah, ouais. Il aime trop les cordons bleus. Faut l'avoir vu. Macron. Oh. Allez. Combien? 6 points sur 8, pas mal. Ça va. On avance. Okay. Donald Trump, Kim Jong-un ou les deux? Très bien. Il veut faire voir ses gros engins. Initialement, c'est Kim Jong-un, mais ça pourrait être... Maintenant, c'est les deux. Allez, c'est les deux. Les deux, point validé. Il a une femme en plastique. Oh putain, bah, c'est que Trump. Ouais, je crois pas que... J'ai pas pu vérifier pour Kim Jong-un, donc c'est que Trump. Enfin, il en a plusieurs, mais elles sont vraiment en plastique. C'est... Bonne qualité. Lui n'a pas de problème avec les sportifs noirs actuellement. Kim Jong-un. Tout à fait, qui aime beaucoup Dennis Rodman, au passage. Oui, tant qu'il n'est pas dans son pays. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Oula, bah les deux, là. Non, Kim. Kim, parce qu'en Corée du Nord, il n'y a pas la lumière partout. Oh putain, tu vas aller chercher aussi loin. Non, mais alors, excuse-moi, mais dans la Trump Tower, il y a une coupure d'électricité à l'étage 63. Donc, On avance. Point validé, tu le notes. Il a plus de tours que de neurones. Trump. Donald Trump. Très bien. Il adore Twitter. Donald Trump, ça tweet pas. Il n'a pas un forfait 3G pour avoir Twitter. Un canard porte le même prénom que lui. Oh merde, bah, Trump, Donald. Voilà. Je me suis dit, il y a peut-être un piège, il y a Kim le canard. Ça aurait été atroce. Je me suis dit, et voici là, c'est des extraits de la série animée Kim le canard. Je me suis dit, oh le con. On était grand, on était à combien? C'est fini? Ouais, c'est fini, il n'y a que 8. On a fait 6 aussi! On a fait 6 aux 6. Celle-là, on la valide. Allez, deuxième série de questions, toujours même principe. Un youtubeur, un politicien ou les deux? On y va. Il te demande toujours de faire un truc pour lui avant même de faire quelque chose de concret pour toi. Attends, un youtubeur, un quoi? Un politicien. Un politicien, ça. Les deux. Lâchez un commentaire, abonnez-vous. Il te demande de faire un truc pour lui avant même de faire quelque chose de concret pour toi. Bah, ouais, c'est les deux, même le politicien te dit des trucs alors. Les deux, bonne réponse. Oui. Il a plus bleu. Abonnez-vous. Il a plus besoin de toi que de lui sur le fond. Il a plus besoin de toi que toi t'as besoin de lui sur le fond. Les deux. Bah franchement, les deux. Le youtubeur, s'il a pas d'abonnés, il sert à rien. Et le politicien, s'il nous a pas. Bah, il a toujours son argent, quoi. Bah, non, justement, c'est notre argent. Moi, les deux. Voilà, les deux. En fait, on est assez proches des politiciens. Les deux, bon point. Il adore qu'on lui mette des pouces. Moi, youtubeur. Alors, il faut préciser, les youtubeurs et Emmanuel Macron. Pour revenir sur le point. Il déteste les canards et autres médias. Le politicien, ouais. Politicien, très bien. Le youtubeur n'aime pas les autres médias. Melty, tout ça. Il en a quelques-uns. Il se sert souvent de son conjoint pour faire plus de pognon.
Politique. Non, attends, ah, tu l'aimes en couple. Eh, t'as vu Nassar, tout ouais, ça. Eh, c'est à deux amis. Les deux, bravo. Non, coucou. Ensuite. Alors, on l'envie parfois, on le déteste souvent, mais on kifferait bien son salaire quand même. Oh, bah les deux. Les deux. Les deux, oui. Oui, ouais. Bah, sauf le nôtre, quoi. Il part trop vite pour qu'un être humain normal comprenne. Le youtubeur. Le youtubeur, point. Il part trop vite pour qu'un être humain les croit vraiment honnêtes. C'est pas mal les questions. Qui a fait des questions? Les politiciens. Les politiciens, oui, point. Ils ont fait combien? Je crois qu'ils ont fait un perfect là. Oui. Ouais, oui. Oh. Alors, ce que j'adore, c'est qu'il nous fait ça comme Passepartout dans Fort Boyard. C'est ça. Allez, dernière série de questions. Il manque la coupe mulet, parce que je tiens à signaler que depuis quelques saisons de Fort Boyard, Passepartout a une coupe mulet. Et c'est terrible. Bon. Bonne soirée. On y va? On y va? Dernière série de questions. Okay. Un Pokémon ou un pickpocket? Putain, c'est pour moi. Ok. Donc on part sur Pokémon et pas Pokémon. Par contre, ouais, on peut dire Pokémon, on peut se respecter ou pas? On peut le trouver dans ta poche. Bah, les deux. Les deux, oui. Il aime pas se battre. Le pickpocket. Très bien. Enfin, après, il y a des débats sur le fait que c'est de l'esclavage. Il aime faire des bruits rigolos. Le Pokémon. Enfin, j'ai connu un pickpocket une fois qui faisait des poyo. Il aime bien se serrer tout contre toi. Les deux. Bah non, le pickpocket. Est-ce que t'as déjà vu la saison 1 de Pokémon? Pikachu, chenipan fait des câlins. Alors on va demander au réalisateur, est-ce que tu leur accordes le point? Il s'en bat les couilles. Sandwich et nous répond. La question c'est, est-ce que les deux aiment se serrer contre des gens? Le pickpocket et... D'accord. Non, je me disais peut-être en train de regarder une série. D'accord, point validé. Une fois que tu l'as rencontré, il te prend beaucoup trop de temps. Le Pokémon. Bah les deux, quand vous allez au commissariat, faut refaire les papiers et tout ça. Les deux. Ah, si tu veux. Les deux. Moi, merde. Je suis pas du genre au commissariat déjà parce que j'ai plus mes papiers en règle. Et ensuite, c'est pas le. Moi, je suis pas du genre à me faire voler des trucs. Parfois, on peut le trouver dans ta rue. Les deux. Les deux, parce que Pokémon Go. Les deux. Très bien. Bien joué. On l'annonce souvent dans le métro, mais on le voit jamais. Le pickpocket. Pickpocket. Parce que voilà. Pokémon Go ne passe pas dans le métro à Lyon. Qui a gagné cette manche? Un point. Ah mais parce que ouais. c'est par manche, c'est pas par point cumulé. C'est par manche. Ouais, non, pas du tout. Je pensais qu'on avait encore l'avance de la première manche. Terrible. Bien joué. Non, on reconnaît. Je reconnais rien du tout. On va devoir faire appel aux puissances 4. Ah. Aux puissances 4 des dieux. Mais il me faut un finaliste. Et par contre, si on pouvait mettre des petites boîtes là pour le puissantiel, je sais pas, je ferme ma gueule. Je me tais. Il va me falloir un finaliste. Donc, qui va répondre aux questions au tour par tour? Enfin, je vais vous donner c'est des questions de culture G. Alors moi, je monte le puissantiel, je pense que ça mérite déjà d'être en finale. J'ai une vraie question. Est-ce que la personne qu'on choisit pour donner les réponses, c'est l'autre qui va faire le puissance 4? C'est la personne qui... Ah oui. Ah bah. Est-ce qu'il y en a qui répondent aux questions et les autres s'affrontent à une partie de puissance 4? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors. Parce qu'à ce moment-là, je fais confiance à Ven, l'homme d'action. Du coup, je te donne le micro. Attention, je vais poser une question. Le premier qui répond gagne le point. On va en 3 points. Attends, il n'y a qu'une personne qui répond à gauche. Oui, il n'y a qu'une. On part d'une théorie. Date, voyage, Marty McFly dans Retour vers le futur 2. 1986. Non, il vient. Perdu, hop. Ah, est-ce que vous avez la réponse? Mais oui, c'est passé, c'était l'année dernière. 2016. Non. En quelle année? 1982. Mais c'est... Vous avez donné une réponse, elle est fausse. Ouais. Dans le 2? Oui. C'est, alors, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'est... L'année. Juste l'année. Vas-y, 2015. Oui. Un point. Yes. Ça veut dire le jeton? Attends, non ça, on va faire l'autre okay. question. Mais là, je veux un finaliste. Donc le finaliste va devoir répondre aux questions pendant que l'équipe adverse lui met des jetons à chaque fois qu'il perd. Alors, comment dit-on un anneau pour tous les gouverner en noir parlé? Putain. Ça, je suis sur la One Nose Nashnay.
Dans le Seigneur des Anneaux, dans leur langue. Comment dit-on un anneau pour les gouverner tous? Ça se dit pas, je sais pas. On le met et puis... Ah, c'est ça le piège, ça ne se dit pas. Aznak Darbula Tuluk, excusez-moi pour mon accent. Bah, c'est évident, bah oui, évidemment. Oui, mais pendant ce temps, des gens avaient leur bac avec mention. Voilà, pendant ce temps. Comment le disque monde tient-il debout dans la saga de Terry Pratchett? Sur ses pattes. Des tortues sur un éléphant. Oh merde. Oh. Oui, mais comme dans la mythologie, enfin hindou quoi. Donc il y a deux de ce côté-là. Pour le moment. Et zéro à gauche. Je tiens à préciser. Là, je suis battu. Je ne sais pas non plus. Voilà, du coup, sur les finalistes, parce qu'on allait en 3 points, donc. Très bien. Top. Alors, qui va mettre des jetons rouges pour le contrer? Pour nous contrer. Non, il y en a un seul qui répond aux questions. Et voilà. Vas-y, je suis là. Ok, j'ai compris. Et mais, je vais mettre les jetons jaunes du coup. Attends, on fait pas une sur deux. Cyril, est-ce que tu peux. Cyril, redis-moi comment ça fonctionne. Là, il n'y a qu'une seule personne qui joue. On n'a rien compris au jeu, mais c'est pas grave. Non, il n'y a qu'une seule personne qui joue. Faut qu'on aille plus vite. D'accord. Pareillement, les questions, vous avez 8 secondes pour y répondre. Ok. Bah, à ce moment-là. Chaque fois que tu fais une fausse réponse, il a le droit de mettre un jeton. Ok. Chaque fois que tu fais une bonne réponse. T'as le droit de mettre un jeton. Ok. On y va ? Mais ça veut dire qu'il faut arrêter le jeu toutes les 8 secondes pour que je mette un jeton. Ben, t'es mon homme de confiance. Hein. Tu sais quoi ? Tu sais comment on... Par contre, utilisez pas tous les deux les pions rouges. Parce que... Arrêtez, on voit rien là. Arrêtez, lumière, s'il vous plaît. C'est mieux quand même. Comme okay. Ok, attendez, je me mets là parce que je suis chaud. Je récupérerai bien le micro. Okay. Pardon. Alors bonsoir. Attends, je réponds aux questions. On est prêt ? À chaque fois, vous avez 8 secondes. Okay. Combien font 4 puissance 4 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 336. Non. Non. 256. Putain, j'ai fait de la merde. Donnez à 4 ans près la date de naissance de Michael Jackson. La date de naissance, alors je dirais 1900. 3, 4, 5, 6, 4, 7, 8. 1945. 1958. Je sais pas à quel point il est vieux en fait. Combien de carrés ont deux carrés, combien de côtés ont deux carrés tout à fait normaux? 8. Oui, 8. C'est que des multiples de 4. Je vais me bloquer alors. Yep, vas-y. Moi ma technique c'est de me bloquer. Hein. Ouais. C'est pas de jouer. Parce qu'il y a des questions de merde. Allez, on y go. Combien y a-t-il de mousquetaires sans compter Albert? 1. 4. 2. Point. Dont D'Artagnan. Racine carrée. De 4. 1, 2, 3. Bien. Donne-moi 4 ingrédients du 4 quarts. Le sucre, les œufs, la farine. 4, 5, 6. Et le beurre. Ah, si, hein. Et il a le point. Ouais. Ah ouais. Bonsoir. Ouais, c'est tout bon, c'est les 4 quarts, bien vu. Bac Pro Cuisine. Allez, on continue pour continuer. Il a gagné. L'équipe Popcast a gagné. Voilà. On n'a pas fait puissance 4. Ah oui, merde, ah bah non. Ah bah non. On n'a pas gagné. C'est en fait. Les matos sont rentrés chez nous. C'est ce qu'on appelle un puissance 3, messieurs. Quel est le quatrième. Attention, quel est le quatrième Teletubbies? 1, 2, 3, point. Oh là 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 là. Alors, ça me fait mal de gagner sur ça, mais c'est bon. J'ai adoré ta ligne, elle est incroyable. C'est et c'est une victoire de l'équipe à domicile. Est-ce que vous voulez les autres questions? Ah oui, bah allez. Oui, on veut les autres questions. Mais il faut que tout le monde puisse répondre. Regardez. Ok. Là-bas. On y va. Allez. Là-bas, ok, on est chaud. Allez, on se réunit tous. On est chaud. Combien y a-t-il de super nanas? 4. 4, il y a 4 super nanas. Non, il y en a une quatrième maintenant. Il y a une quatrième qui est apparue. Attention, je vais aller très vite. Sur 7 Power Rangers, si j'en enlève 3, combien il m'en reste? 4. Citez-moi 4 prénoms. Luc, Paul, Jacques, Henri. Combien en marine fait un quart? Combien en marine fait un quart? Combien dure un quart en marine? 4. En marine? En marine, en navigation. En navigation, un quart, c'est une unité de temps? Oui. D'accord. Bah, c'est un quart. moi, je dirais le quart de la nuit, parce que c'est... Donc, je dirais quelques heures. 6 heures. 6 heures, ouais. Ah. Tape-moi en 4. Putain, on s'est raté, faut mettre un rouge. Mais le jeu était gagné en fait. Mais je l'ai dit, c'est que des réponses avec des multiples de 4. Ah, mais j'avais oublié. J'ai fait 4.
Eh bien écoutez, c'est le dégoût de mots qu'on retiendra. Donne-moi 3 multiples de 4. 4, 8 et 24. C'est un multiple de 4. Je suis pas sûr. Hein, 6 fois 4, c'est combien? Si, c'est bon. 6 fois 4. Oh là, calme-toi. Cite-moi 4 races du Seigneur des Anneaux. Les nains, les elfes, les humains, les hobbits. Ouais. Quel est le titre de Star Wars 4? Un nouvel espoir. Très bien. Ou le réveil de la force. Oh, on sait pas. Il paraît que c'est le 4. Quel est le nom des 4 tortues ninja? Raffaello, Michelangelo, Leonardo et Donatello. Et voilà. Ouais, c'était pas compliqué au final. Ouais, je me dis que j'aurais dû faire plus compliqué quand même. Merci. Sans déconner. Merci pour votre présence. Allez, merci. Fantastique. Merci pour votre pouvoir écrasant. Ouais, écoutez. C'est venu comme ça. Ce qui est bien, c'est que. On rappelle quand même que Cyril fait partie de Popcast, donc voilà. On a un avantage avant. Non, mais ce qui est bien, c'est que comme on a gagné, on peut remettre notre titre en jeu. En jeu. Un autre live avec des invités incroyables et fantastiques. Avec ouais. Une revanche, peut-être un jour. Voilà, il peut se passer des choses. Si le propriétaire des lieux nous a pas jetés dehors, peut-être un jour. C'est lui qui klaxonnait dans la rue. Allez, réalisateur, est-ce que tu peux nous faire une ambiance de départ? On va saluer tout le monde. Merci d'avoir assisté à ce live, à ce quiz. On merci espère à Cyril pour les questions. Merci, on le dit pas assez, mais c'était un gros quiz à préparer. Merci. J'ai pleuré la nuit. Merci la technique. Merci la technique, c'était génial. On a eu des problèmes, on a eu etc. Ils étaient là, c'était cool. C'était cool. Merci à notre monsieur Point. Car chez moi passe partout. Oui, les top séries. On se retrouve bientôt sur la chaîne et puis peut-être le mois prochain pour un nouveau live. Merci à nos invités. À bientôt et merci énormément. Merci à nos invités. Allez, faut arrêter maintenant. Stop. Y en a marre. Voilà. Y en a marre. Stop.